Un autre obstacle, on a vu ça hier déjà et on insiste encore là-dessus, c'est à part les démons. Et les démons qui travaillent mais qui utilisent ou encore qui manipulent les hommes. Pour moi, c'est une partie très importante. De façon négative. Ils veulent vraiment te détruire. Et la grande majorité de nos sociétés, là, nos traditions, en fonction des ethnies et autres, que ce soit en Afrique ou partout, il y a une influence par rapport... D'accord ? Ben, à la pensée de Lucifer, qui s'oppose à l'alliance. Voilà pourquoi vous remarquerez, tu as un projet par rapport à la sœur, dans le cas de l'alliance, dans le cas du mariage. Tu viens voir la famille, tu dis, bon, voilà comment nous on voit les choses. Attends, tu es un homme, tu travailles, tu as de l'argent. Ta femme ou ta fiancée, elle a de l'argent, elle travaille. Ou encore, même si elle n'a pas, vous êtes organisé, vous êtes autonome. Vous n'êtes plus sous le plan, on va dire, sous le toit de vos parents. D'où est-ce l'homme ? Est-ce que vous voyez? Vous êtes responsable. Souvent même, dans certains cas, notamment pour nous qui sommes païens, il y a même déjà des enfants. Est-ce que vous comprenez? Mais tu viens présenter un projet, tu dis non, la femme là, je ne veux pas avoir cette femme là ici. Là. Chez nous, on n'épouse pas les Camerounaises. Chez nous, on n'épouse pas les Équato-Guinéens. Est-ce que vous voyez? Et il y en a qui, parce qu'ils sont encore dans la maison de leur père, est-ce que vous comprenez? Ils n'arrivent pas à se détacher de ça. Et quand même, ils rentrent dans le foyer, cette mentalité est là. Et du coup, il y a un sentiment de mépris vis-à-vis de la sœur. Je vous dis, si on n'est pas délivré, on ne saute pas les étapes avec le Seigneur. Ça va te poursuivre dans le foyer. Je le dis parce que c'est des choses que moi-même, j'ai vécues et je vis souvent. Parce qu'on continue à être délivré. Alléluia! Amen. Personne n'est arrivé. Amen! On a vu hier dans le livre d'Ecclésias, chapitre 10, au verset 20, qu'il y a une catégorie d'esprits qu'on appelle les Baal ailés, qui travaillent pour récupérer les propos ou les paroles des hommes. D'accord? Pour les rapporter. Dans quel objectif? Dans l'objectif de nuire à ton plan ou à ton projet. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. En fait, c'était des oiseaux physiques, mais dans l'esprit, frère, il faut comprendre. Je vous en prie, ouvrez les oreilles. Dans l'esprit, Abraham était dans un combat spirituel, s'il vous plaît. Vous comprenez, non? Dans l'esprit, Abraham, bien qu'il chassait les oiseaux physiques, en réalité c'était comme quelque chose qui venait s'opposer à l'œuvre. Il y a un autre passage dans les Écritures qui nous dit que souvent, lorsque Yahweh voulait conclure des alliances avec son peuple, d'accord, avec les anciens ou avec son peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il permettait qu'on coupe les animaux, on les mettrait... comme Abraham les a mis là, d'accord, et vous allez lire après, hein, Jérémie 34, 15, vous allez vérifier ça. Et après, ben, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur venait conclure avec le feu. Mais beaucoup de personnes, bien qu'étant en train de chercher à rentrer dans une alliance, quand les oiseaux de proie viennent, ils ne les discernent pas. Et facilement, ils sortent de l'alliance. D'autres, même dans le foyer, ils sortent de l'alliance. Ou encore, ils laissent l'ennemi travailler dans leur foyer, bien qu'étant mariés, d'accord. Mais il y a un esprit de contrôle familial. C'est-à-dire, tu habites au nord du Gabon, tes parents habitent au sud, mais les parents connaissent tout ce qui se passe au sud. Ou au nord. Ou vice-versa, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de contrôle qui travaille. Et le Seigneur demande à Abraham de sortir de la maison de son père, c'est aussi pour tout ça là, pour pouvoir dépendre directement de lui. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Pourquoi? C'est pas seulement quitter physique. Vous voyez, non? C'est pas seulement quitter séparation physique. Mais c'est quitter d'abord sur le plan spirituel. Il faut que le cordon ombilical soit coupé. Au nom de Yeshua. Et il y a beaucoup d'hommes là qui sont encore liés par le cordon ombilical de leur maman ou de leur papa. Des gros bébés.
qui laissent leur famille fatiguer leur femme ou fatiguer leur mari. Ta maison est devenue la maison de toute la belle famille. Hein, chez nous, c'est comme ça. C'est pas comme ça dans le royaume. Laissez-moi ça. Bon. La soeur, la maman murmure. Ça se plaît, ça se plaît. Ça dit aux frères, mes frères, dit mes soeurs, tu n'as pas l'amour. Quel amour? Il faut faire la part des choses. Même la Bible dit, ne mets pas trop le pied dans la maison de ton voisin. De peur qu'il ne se fatigue de toi. Oh, arrêtez ça. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Oh. Il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Mais il faut qu'on le résout. Alléluia! Tout ça font partie des obstacles. Toi, tu penses que Yahweh est dans tes sentiments? Non, ma famille. Frère, si le Seigneur t'a séparé, c'est pourquoi. Autant convenable, il va te ramener là-bas. Est-ce que tu comprends? Il va te ramener. Ça veut dire que pour toi, ils vont te considérer comme étant mort à leurs propres yeux. Mort! Comme Joseph était mort pour son père. Mort! Il ne nous apporte rien, il ne fait rien dans la famille. C'est si cela, beaucoup de choses. Je ne dis pas de fuir ses parents, attention. Je ne parle pas de ça. Il faut bien comprendre. Je parle du contrôle. Je parle de la manipulation. Je parle des excès. Dans le cas du foyer ou dans le cas des rapports entre l'homme et la femme ou le futur couple. Souvent, c'est les frères qui contrôlent. Même dans l'église, c'est la même chose. Parce que l'esprit africain aussi est là dans les assemblées. Ce n'est pas les frères, c'est les anciens. C'est tout le monde, frères, anciens, anciens, anciennes, qui contrôlent. Si l'ancien X n'a pas dit son dernier mot, je ne peux pas te dire oui. Il faut que l'ancien X approuve que le frère là est de Dieu. Hein? Frère, tu n'as pas prié là? J'ai encore rien reçu? Non, j'ai encore rien reçu. Ok, on va continuer de prier. Mais la sœur sent que c'est lui, le cœur bat. Mais elle résiste. Frère, tu n'as encore rien reçu là? Non, c'est vrai que j'ai eu un songe, mais c'était pas très clair. Ok, on va continuer de prier. Il faut que le frère Arnaud insiste. Mettre le saut. Il faut que l'ancien Ben mette le saut. Hein? Il faut que la maman là, la maman pasteur, ou encore ta maman là, il faut qu'elle mette le saut. Qui vous a dit que ce sont d'abord les hommes qui mettent le saut dans les alliances? Hein? Les hommes viennent juste pour confirmer la pensée du Seigneur que vous avez reçue dans le secret. Et le Seigneur peut les utiliser pour accompagner le projet. Parce que la Bible dit... Hein? Parce qu'il y a peu de conseillers ou parce qu'il n'y a pas de conseillers, le peuple périt. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Yahweh nous aide. Tout ça là, ce sont les oiseaux de proie. On parle des obstacles de l'alliance. Nous sommes dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 15. Tu as la page, mon frère? Ok, tu vas nous lire, s'il te plaît, le verset 12. Attends. 2 Samuel 15, 12. Oui, vas-y. Juste le verset 12. Verset 12. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilo, Achitophel, le Guilonite, conseiller de David. Il se forma une puissante conspiration. Parce que le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Ok, on y va dans 2 Samuel chapitre 16, verset 21 à 23. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu envers ton père. Waouh! Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa une tente pour Absalom sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Mm-hmm.
Or, les conseils que donnait Achitophel en ce temps-là étaient autant estimés que si un homme avait consulté la parole d'Élohim. C'est ainsi qu'on considérait tous les conseils qu'Achitophel donnait, tant à David qu'à Absalom. Alléluia! En fait, Achitophel, c'était le conseil de David, d'accord? Mais quand il y a eu la conspiration d'Absalom contre son père, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu beaucoup d'hommes qui étaient autour de David, la ceinture qui était autour de David, donc ses conseillers, les services qui travaillaient avec lui, ben, malheureusement, beaucoup ont trahi la confiance de David et se sont tournés contre David. Alléluia. Et ils sont partis avec Absalom. Et parmi ceux qui sont allés avec Absalom, avec le rebelle Absalom, fils de David, il y avait Achitophel, qui était un conseiller du roi. Alléluia. Et on nous dit qu'à cette époque, les conseillers du roi, le conseiller Achitophel, ses conseils étaient considérés comme si on avait consulté la parole du Seigneur. Alléluia. En fait, quand Achitophel parlait, je veux que tu suives très bien. Quand Achitophel ouvrait la bouche, c'est comme si Dieu lui-même a parlé. C'est comme si Yahweh, Elohim lui-même a parlé. Tu as compris quelque chose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'arrivait plus à distinguer la parole d'Achitophel d'avec la parole du Seigneur. Parce que ça semblait être... Vous n'êtes pas là, hein? Ça semblait être un. Les paroles d'Achitophel avaient une grande influence sur le règne de David. Mais aussi sur le règne temporaire, éphémère d'Absalom. Les paroles d'Achitophel conduisaient des grands projets. Les paroles d'Achitophel dirigeaient le royaume d'Israël. Je ne sais pas si vous suivez. Derrière les rois, il y avait des conseillers. La plupart des décisions que les rois prenaient, c'était aussi souvent, d'abord, ça passait d'abord par le conseil des anciens. Et parmi les anciens, il y avait des anciens qui étaient les plus distingués. Et parmi les anciens distingués, il y avait un papa qu'on appelait Achitophel. Et ce monsieur a réussi à être rallié dans l'équipe d'Absalom le rebelle. Et du coup, il va dire à Absalom, pour descendre l'autorité de ton père, pour le mépriser, pour montrer aux yeux de tout Israël que tu as réussi véritablement à prendre son royaume, touche à quelque chose, touche à ses concubines et fais-le sur le toit. Devant les yeux de tous, en fait, c'est le mépris, le dédain. Est-ce que vous comprenez? Absalom ne va pas hésiter une seule seconde. Parce qu'il savait que Achitophel, c'était un bon conseiller. En réalité, à cette époque, les conseils d'Achitophel étaient déjà corrompus par la parole des oiseaux du ciel. Derrière les paroles d'Achitophel, en réalité, à cette époque, bien qu'il avait changé de camp, il y avait déjà l'influence des démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je disais ça hier, même tes propres parents biologiques qui t'ont acquis, comme on dit, peuvent te donner des conseils qui s'opposent à la pensée du Seigneur. Et ce n'est pas parce que c'est ta mère que tu vas dire Amen. Même si c'est le frère Wallace, même si je crachais le feu, comme quoi? Mais si mes propos ne sont pas en accord dans le temps dans lequel nous sommes, avec la parole du Seigneur, et ne sont pas en accord avec ce que Yahweh lui-même t'a dit à la base, ne dis pas Amen. Même si Wallace te dit, tu dis, ok, j'ai compris, je vais aller consulter le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de mauvais conseillers. Frères et sœurs, conseiller là, c'est à tous les sens du terme. Voilà un frère qui est fiancé avec une sœur, mais dans leur marche, il glisse, il chute dans un péché. Tu es allé voir un frère parce qu'il prêche, le confesser ton péché. Dès qu'il a fini de te recevoir, là, le frère, il va en assemblée le dimanche. Ah frère, vraiment, prions beaucoup pour les anciens, hein. C'est pas facile pour eux, je vous assure. C'est pas facile, je vous dis. J'étais même chez Wallace là-bas hier. En fait, il attend que le frère dise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, frère, c'est compliqué. Là, il veut encore une autre parole. Mais dis,
C'est quoi? Tu vois, non, les paroles du rapporteur avec de mauvaises motivations sont comme du miel dans la bouche de celui qui l'écoute. Aïe! Et en fait, ton objectif, c'est de salir la réputation du frère. Après, on m'a dit, bon, prions beaucoup pour l'un. C'est un merveilleux frère, c'est un merveilleux frère. Je te dis, c'est un merveilleux frère. Mais il a déjà livré le secret de l'autre. Voilà comment ta nudité dans l'église est connue par tous. Et tu penses que parce que c'est des archétopelles qu'ils savent garder leur bouche fermée. Frère, dans les alliances ou dans l'alliance, il y a la notion de discrétion. Alléluia! On n'ouvre pas sa bouche parce qu'il faut l'ouvrir. On ne se confie pas à tout le monde. Parce qu'il y a un projet qui est là. Frère, tu n'as même pas encore bien prié parce que les projets se mûrissent dans la prière. Tu es déjà parti exposer au frère. Ah, sœur, il y a le frère là. Tu vois le frère qui prêche souvent là, non? Non, pas lui. L'autre, il est un peu grand comme ça là, tu vois, non? Il a même, tu vois, la barbe, il a la barbe comme ça là. Il est souvent assis au coin de. Tu vois pas là? Ça, c'est comme ça que les sœurs font souvent entre elles là. Ah, oui, je vois, je vois. C'est lui. Après la réunion, il m'a dit, oh, il veut me voir, tout ça là. Ah bon? Oh! Voilà comment les histoires là les assemblent. Et la soeur déballe, elle déballe, elle déballe, elle déballe. Elle ne sait pas que celle à qui elle déballe ça là, le cœur est déjà méchant. Elle déballe, elle a un rime, en fait dans le cœur, merde. Elle a pris ma proie, merde. Qu'est-ce que je peux faire là? Merde, c'est pas possible. Je vous assure, hein, on voit ça dans les églises locales. Frère, l'église locale est une assemblée de pécheurs pardonnés. Mais qui ne sont plus des pécheurs? Faut bien comprendre, hein. Excusez-moi. Hein? Voilà. Les chrétiens nous appellent des justes. Mais comprenez ce que je veux dire. En fait, nous étions des pécheurs. Nous avons été pardonnés, donc justifiés. Mais notre nature humaine, pécheresse, a tendance à nous jouer des tours. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on écoute tout type de scandales bizarres, souvent dans les assemblées locales. Et on disait ça hier que la notion de discrétion est très capitale. Donc ne nous laissons pas influencer par les paroles des archétopelles. C'est des hommes influents, c'est des femmes influentes. Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va encore avancer un peu. Et regardez le passage de 1 Roi chapitre 12. Ah, là, je vais encore parler quelque chose. Il faut qu'on parle, n'est-ce pas? Ah Seigneur, aide-nous. 1 Roi chapitre 12. Nous parlons des obstacles de l'alliance. Et parmi ces obstacles, on a vu qu'il y a, les enclos dans lesquels nous pouvons être en tant que disciples. Voilà pourquoi Paul, autant pour moi, dira dans 2 Corinthiens 10, nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs et les forteresses qui se lèvent contre la connaissance précise et correcte du Seigneur. Par quoi? Nous les renversons par la parole. En fait, Paul est en train de dire ici que nous brisons les prisons, les barrières qui empêchent les enfants du Seigneur de dépasser leurs limites. Vous comprenez, non? Donc, il y a des chrétiens qui ont l'esprit, qui ont la parole, mais qui sont en fait dans un enclos spirituel. Ils sont dans des limites parce que le mot, les verbes, les mots là-bas dans 2 Corinthiens 10, 4, ici, renvoient à prison ou encore à château. Il y a des gens qui sont assis là, mais en eux, il y a des châteaux. Ils sont dans des châteaux, des forteresses. Est-ce que vous voyez? Et voilà pourquoi Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, on n'en a que pour la vérité. Donc avec la parole, avec la vérité, on brise les châteaux, on brise les prisons, vous comprenez? On casse les hauteurs et on brise les barrières qui limitent les enfants du Seigneur. Alléluia! Et quand tu es brisé, ta vision s'élargit au-delà de l'église locale. Toi qui es là, une petite parenthèse, là depuis, ça fait peut-être 2, 3, 4 ans. Peut-être même que le frère là, il viendra d'une autre église locale. Ou la sœur en question. Mais toi, tu es coincé ici là. Vous voyez non, les enclos. Ou coincé parce que, non, qui vous a dit qu'on est obligé de se marier aussi entre nous? Bon, ça c'est une parenthèse. Alléluia! On se marie, on choisit la femme qui appartient à notre peuple aussi, comme Abraham a fait pour son fils. Ça veut dire qu'on se marie dans le Seigneur. On ne se marie pas dans le ministère. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Je ne dis pas, ah, vous ne comprenez pas.
Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire qu'on doit prendre toutes nos femmes ou tous nos maris dans le milieu de nous. Je dis, on doit, alléluia, la femme ou le mari que le Seigneur va te donner doit appartenir au royaume. Amen. Ça veut dire, elle peut être là-bas en Guinée équatoriale. Amen. Elle peut être à Madagascar. Amen. Elle peut être dans les îles, Amen. Aux Bahamas, Amen. À Paris, Amen. Aux États-Unis. Amen. Au nom de les barrières. Alléluia. Amen. Ma soeur, c'est ta coince bouge. Bon. Oh. Il y en a qui ont bougé. Vous allez voir, peut-être ils vont comprendre et vont rentrer. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'église plus bouge. Hein? Oh, Seigneur, ta grâce. Que nous dit la Bible dans ce passage? J'ai dit quoi? Un roi de Juifs. Ok. J'ai dit un Samuel ou un roi? Ok, nous sommes dans 1 roi, chapitre 12, pardonnez-moi. C'était une parenthèse. Alors, on va lire verset 1er à partir jusqu'au verset 8. Attends, prends directement à partir du verset 3, mon frère, on va gagner en temps. 1 roi 12, 3, en descendant. Verset 3. On envoya appeler Yarobab, et il vint avec toute l'assemblée d'Israël. Ils parlèrent à Rehabam en disant, ton père a rendu lourd, il a rendu lourd notre joug. Mais toi, allège maintenant cette rude servitude de ton père et ce pesant joug qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Il leur dit, allez, et dans 3 jours, revenez vers moi. Et le peuple s'en alla. Le roi Rehabam consulta les vieillards qui se tenaient en présence de Shlomo, son père, pendant sa vie, et leur dit, « Quelle parole conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et ils lui répondirent en disant, « Si aujourd'hui tu deviens le serviteur de ce peuple, si tu les sers, lui répond et dit de bonnes paroles, ils deviendront tes serviteurs pour toujours. Mm-hmm. » Mais Rehabam laissa le conseil que les vieillards lui avaient donné. Et consulta les enfants qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient en sa présence. Il leur dit, que me conseillez-vous? Quelle parole allons-nous retourner à ce peuple qui m'a parlé en disant, allège le joug que ton père a mis sur nous? Alors les enfants qui avaient grandi avec lui dirent, tu parleras ainsi à ce peuple qui est venu te dire, ton père a mis sur nous un pesant joug, mais toi allège le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père a alourdi votre joug, mais j'ajouterai encore à votre joug. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi je vous châtierai avec des scorpions. Ok, tu peux t'arrêter là, merci mon frère. C'est toujours important de prendre du temps de lire. Ça permet de laisser la parole également nous convaincre. Alléluia. Pourquoi je prends cette histoire? Parce qu'il y a un phénomène que nous remarquons également dans les assemblées. C'est que, excusez-moi du terme, il y a une tendance, je sais qu'il y a aussi des causes, mais je veux quand même dénoncer cette tendance. C'est une tendance générationnelle qui peut être en effet aussi un mal ou un obstacle dans les alliances, notamment dans la vie des enfants du Seigneur et dans la vie en général. D'accord? Et je vous assure, cette tendance également est beaucoup plus poussé que dans le milieu chrétien ou spirituel. Mais elle a aussi une grosse influence. On peut la voir également se manifester dans le monde. D'accord? C'est-à-dire au milieu des politiques. Et quelle est cette tendance? C'est le fait que les personnes de même, genre, j'ai failli dire espèce ou encore de même génération ont tendance à se mettre ensemble pour leurs projets ou pour des projets. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Yehoshua est venu briser le mur d'inimitié. Vous savez, les générations là, d'accord? C'est-à-dire, les générations sont bibliques et c'est bon. Dans une œuvre locale ou dans une maison, dans une famille, il y a plusieurs générations. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs générations
qu'il y a forcément une division. Suivez-moi très bien. Il y a le père, il y a la mère, il y a les grands frères, il y a les petits frères, il y a les tantes, il y a les oncles. Comprenez? Mais tout cela forme la famille. Alléluia. On parle de famille élargie ou de famille restreinte. Vous êtes là? Alléluia. Alors, dans les familles en général, comme dans la mienne, il n'y a pas... C'est vrai, il y a des périodes où mes enfants sont entre eux, mais il y a aussi des périodes où et les parents et les enfants, on est là. On peut raconter, on papote ou je ne sais pas. En fait, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Et il y a des périodes aussi où l'enfant peut venir te voir en tant que père de famille, te poser une question en rapport avec un fait qu'il a observé, remarqué, qu'il voudrait comprendre. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, la question en question là, permettez-moi la répétition et les rimes. Alors, il ne peut pas trouver une réponse dans son milieu générationnel. Vous êtes là? Du coup, il vient voir la mère. C'est-à-dire, c'est par instinct. C'est pas qu'il y a un autre de ses frères qui lui dira, va poser la question à maman. Non. Souvent, il sait que ce genre de question, maman a la réponse. Vous comprenez quelque chose? C'est la même chose dans les communautés locales. Et si le Seigneur met dans les églises locales des pères, des mères dans la foi, des grands frères, des grandes sœurs dans la foi, autant pour ceux qui s'apprêtent à rentrer dans le couple, le mariage, que pour ceux qui sont déjà mariés, quels que soient les différents sujets, après, je ne doute pas qu'il y a ce qu'on appelle l'autodidacte. Je ne suis pas contre ça. Merci, mon frère. Néanmoins, le Seigneur permet qu'il y ait toutes ces générations pour que l'Église soit enrichie. Du coup, dans le cas de l'Alliance, on a tendance à se fermer sur soi. Vous me direz tout à l'heure, si vous voulez prendre la parole, que c'est sûr que c'est parce qu'il y a des causes. Une des causes peut être les anciens sont toujours aussi entre eux. Ils ne viennent pas vers nous. Ils ne rassemblent pas la jeunesse. Il n'y a jamais les réunions des hommes. Toujours que les réunions de femmes. Il y a beaucoup de causes que vous me donnerez. On va en parler, d'accord? Parce que ce programme, ce n'est pas seulement nous qui allons parler. Vous aurez aussi la parole. On a prévu 2 jours pour que vous ayez totalement la parole. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut qu'on parle. Alléluia. Amen. Mais en réalité, le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ici. L'aîné que le Seigneur a mis à côté de toi, ce n'est pas en vain. En vérité, il a vu le soleil avant toi. Et quelque part, il y a quelque chose qui le distingue de toi. Pas par rapport à la notion de valeur devant le Seigneur. Je ne sais pas si tu me suis. Mais par rapport à l'expérience, par rapport au vécu, par rapport au passé, il y a des choses qu'il a vécues que le Seigneur a permis qu'il vive pour que toi, tu ne les vives plus. Il y a des erreurs dans lesquelles il s'est retrouvé où le Seigneur l'a enseigné pour que toi, tu ne les fasses plus. Voilà pourquoi il y a la notion des épiscopos ou des presbytéros dans l'Église, particulièrement des presbytes. Les presbytes sont des anciens par rapport à l'âge, par rapport à la foi. D'accord? Les épiscopos sont des surveillants. Et généralement, les épiscopos étaient automatiquement des presbytes, c'est-à-dire étaient automatiquement des vieillards ou encore des personnes ayant de l'âge ou de la maturité ou la sagesse. Alléluia, parce que l'âge aussi peut donner l'expérience entre griffes, effectivement, une certaine sagesse. Néanmoins, toujours la sagesse du Seigneur en avant. Parce que, comme on le dit souvent, ce qu'un vieillard peut voir assis, un jeune qui est debout peut ne pas le voir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui ne voit pas avec les yeux physiques. Il voit avec son esprit. Ça veut dire qu'il est déjà passé par ça. Il connaît la situation. Il peut même anticiper sur comment ça va se passer. Voilà pourquoi Yahweh met ses aînés devant vous. Beaucoup rentrent dans des projets, rentrent dans des alliances. Souvent, même demander conseil, frère, ce n'est pas le contrôle. Et voilà comment ils se comportent comme des Absalom. Alors que Yahweh met des aînés devant eux, beaucoup même les méprisent, excusez-moi du terme, mes frères ou mes jeunes frères. Parce que généralement, c'est un problème qu'on trouve en milieu des jeunes. Généralement. Même un conseil, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que tu ne peux pas demander à une femme la main ou un homme la main sans forcément passer par un conseiller. D'accord? D'ailleurs, on dit que le meilleur conseiller, on le sait, la Bible dit, c'est le
Seigneur ou le Saint-Esprit. Il n'y a pas de souci. Mais Yahweh étant sage, a mis des colonnes dans la maison du Seigneur, dans sa maison, pour qu'il y ait de l'ordre. L'ordre est impératif dans la maison du Seigneur. Et j'estime, pour ma part, qu'il y a beaucoup trop de désordre parce que les principes du royaume sont souvent bafoués. Je peux comprendre aujourd'hui pourquoi beaucoup d'assemblées, en l'occurrence les églises méthodistes, les églises CMCI et certaines autres assemblées, ont mis en pratique, ont mis en œuvre, ont mis des structures ou encore un système bien établi, souvent pour réguler ces choses. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est qu'avec le temps, c'est devenu pernicieux. Et c'est devenu un système de contrôle. Néanmoins, l'idée à la base n'était pas mauvaise. Vous êtes là? Ce que je veux dire, c'est quoi? Apprenons à demander conseil aussi à ceux qui ont de l'âge. Avant, et même souvent même dans le mariage, frère, même moi qui vous parle, il y a des choses, j'en parle avec mon aîné ou mes aînés. Parce que où je suis là, debout là, j'ai des pères dans la foi. J'ai des pères dans la foi. Je peux les citer nommément dans ce ministère-là. Vous voyez? Même si je ne m'ouvre pas à tous, mais quand même, il y en a souvent vers qui le Seigneur m'a convaincu et je peux aller vers eux. D'accord? Et le travail se fera. Un conseil, une prière, un soutien, etc. Souvent, ça évite certains scandales. On peut éviter beaucoup de combats inutiles. Je vous assure. D'autres même vont plus loin. Ils pêchent avant de rentrer dans le mariage. Mais ils vont confesser ça entre jeunes. Dans un esprit de camouflage. Ça, c'est de la dissimulation. Alors que dans l'église, il y a de l'ordre aussi. La confession amène au Seigneur. Mais la confession aussi aux frères et sœurs. Et surtout si tu as une charge dans la maison du Seigneur ou encore si ceci, cela. Les frères t'ont enseigné, t'ont formé, t'ont équipé, t'ont ceci, cela. Frère, il y a cette... Frère, on a besoin de restaurer aussi ce côté-là. C'est pourquoi Yahweh a mis ses aînés devant vous. Ne vous dites pas que parce qu'ils ne prennent pas la parole tous les jours, qu'ils n'ont pas de l'expérience. Détrompez-vous. Je prie que cette mentalité-là de nos têtes tombe au nom de Yeshua. D'autres même vont plus loin. C'est seulement les frères, le frère, le frère, le frère, le frère, le frère, ou le mari. Mais même leurs femmes, elles sont aussi. Et ça, c'est des erreurs, moi-même qui parle là. Je suis dedans. Et on a besoin de se répentir. Et du coup, de façon indirecte, on donne l'occasion, excusez-moi du terme, mais à certains frères et sœurs de mépriser nos épouses. Vous voyez, non? Ça fait partie des pièges qui minent aussi nos assemblées et même les couples. Aujourd'hui, avec un message comme celui de la culture dans laquelle le Seigneur veut nous sortir, il y a beaucoup de choses dont on a besoin aussi d'avoir des conseils. C'est important. Et souvent, c'est quand c'est chaud. Quand les choses, quand les patates sont chaudes, là, quand le problème arrive, qu'on cherche finalement qui est ancien dans l'assemblée. Hein? Tu n'as pas le numéro de l'ancien Aboulaye là. Tu n'as pas le numéro de l'ancien. Tu vois, parce que tu sais que l'ancien aura du poids devant les parents. Là, tu reconnais l'ancien. Là, tu reconnais l'ancienne ou la maman. Mais pourtant, tout le temps, tu passais, comme Absalom, tu méprisais. D'autres vont recouvrer, vont vers ces anciens-là. Et les anciens en question leur disent des choses que leur cœur ne veulent pas entendre. Du coup, ils se tournent et cherchent d'autres conseillers, comme ce fut le cas d'Absalom, pour qu'on leur dise des choses qui réjouiront leur cœur. Je mens, frère. Ce n'est pas les choses qu'on voit dans les assemblées. Maintenant, il y a aussi un travail à faire pour casser ces barrières générationnelles-là. Parce que dans une œuvre locale ou dans une famille,
Il peut y avoir plusieurs générations. Néanmoins, il ne doit pas avoir de barrières. Et beaucoup trop de choses aujourd'hui, même actuellement où je parle là, même dans ce ministère-là, beaucoup trop de choses sont venues lever des barrières. Du coup, les gens ont peur de s'exprimer. Les gens ont peur de donner leur avis. Parce qu'ils se disent, ah, certainement si je parle, ou si je dis ceci ou cela, contraire à la pensée populaire, on va me chasser, on va me mépriser, je serai mal compris, je vais me sentir mal aimé. Et du coup, de peur de sentir d'avoir ces sentiments ou ces ressentiments-là, beaucoup se renferment. Donc il y a aussi un travail que nous, tous, on doit faire. En tant que parents, je parle là par expérience. Il est arrivé un moment dans ma marche où certains de mes enfants avaient peur de moi. Parce que j'étais trop rigoureux. Trop rigoureux. Et parce que j'étais trop rigoureux, même au son de ma voix, je sentais comment l'enfant pouvait trembler. Et pourtant, dans mon cœur, je sens que j'aime mon enfant. Je sens que j'aime ma fille ou mon fils. Mais quand je parle avec l'enfant, je sens qu'il est un peu crispé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je faisais mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, en vérité, la responsabilité est partagée. Et quand le Seigneur m'a montré ça, je commençais à travailler dans ça là. Pour qu'à nouveau, mes enfants apprennent à me faire confiance. Pour qu'à nouveau, la relation soit restaurée. Sinon, quand ils auront des responsabilités à prendre dans leur vie, quand ils auront des tournants capitaux à prendre dans leur vie, pardonnez-moi, mais à qui iront-ils se confier? Aux voisins. C'est une honte! C'est une honte que ton fils ou ta fille, dans la foi comme dans la chair, sort de la maison paternelle pour aller se confier chez le voisin alors qu'elle est une mère qui l'a enfantée. Il y a un problème de relation. Obstacle de l'alliance. Il y a un problème. Et je vous dis, voilà pourquoi le plus gros travail, c'est d'abord avec le Seigneur. C'est facile de mettre la bague au doigt. Je vous dis la vérité. C'est facile de faire la fête du mariage. C'est facile de rentrer dans toutes ces choses. Mais la plus grosse tâche, c'est gérer maintenant. Gérer. En tant que femme, homme, la charge que Yahweh t'a donnée. Et on verra ça demain en profondeur. Ça passe par une mort perpétuelle. Et je vous dis, frère, je ne vous cache pas, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est une question de mort régulière. Souvent, tu vas te mettre à pleurer, mais Seigneur, et pourtant, c'est toi qui m'as montré que c'est la sœur. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Tu vois, ce sont des sentiments qui vont même t'animer, même avant que tu te maries. Ça arrive même à certains fiancés. Tu es comme cassé, déçu, parce que tu as comme découvert un comportement obscur du frère que tu ne voyais jamais. Mais bizarrement, un jour, lors d'une action, une parole, paf, ça a été révélé. Et ça te fait souffrir. Tu as même presque envie de te détacher de cette alliance. Tu es comme dégoûté. Mais Yahweh te dit, c'est elle, c'est lui. Il faut continuer. Quoi? C'est ça aussi l'alliance. C'est un travail, hein? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Et c'est pareil pour ceux qui sont mariés. C'est la même chose. Donc vous comprenez qu'il y a des prérequis. Alléluia! Voilà pourquoi personnellement, je ne cesse de me repentir devant le Seigneur. Parce que j'estime qu'il y a aussi beaucoup de choses que je n'ai pas bien faites. Autant dans mon foyer que dans l'œuvre du Seigneur. Et je veux même profiter de cette assemblée
pour demander pardon à l'église. Oui, parce que on fait tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs. Et souvent, on pense bien faire. Pourquoi? Parce qu'on brandit les versets sans amour véritable. Or, l'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. Pardon. L'amour pardonne. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour est parfait. Et souvent parce que nous ne sommes pas matures au niveau de l'amour, dans notre gestion de l'œuvre du Seigneur, on fait tellement de couacs. Souvent, on se dit non, c'est les attaques, l'œuvre là, machin, il y a la sécheresse. Non, souvent, c'est l'état des cœurs même des dirigeants. Je vous dis la vérité. Une œuvre peut aussi prospérer parce que les dirigeants sont dans l'esprit prospère. La prospérité collective commence par la prospérité spirituelle, individuelle. Si tu veux une église prospère, c'est-à-dire dans la paix, dans l'abondance spirituelle, dans l'épanouissement spirituel, dans la croissance spirituelle, numérique et même financière, ça passe aussi par la qualité de ses pères et de ses mères. Alléluia. Je ne dirais pas que c'est un secret, mais c'est une clé, c'est une réalité. Alléluia. C'est ça la réalité. Souvent, n'accusons pas les oiseaux de proie. Souvent, le problème, c'est nous. Ces esprits-là utilisent nos faiblesses. Yeshua va dire à Petros, Simon, 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 écoute, Satan t'a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, Yeshua, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant régulièrement qui dévorer. Et quand, comment, à quel moment rentre-t-il? C'est quand il y a une porte. C'est quand la chair est manifeste. C'est quand la parole n'est plus mise en pratique. Je vous ai demandé hier comment, dans l'Éden qui était parfait, le diable a pu être là. On a compris qu'il a utilisé la chair. Un animal charnel, le serpent, sublime, malicieux, presque excellent à la vue. Et c'est par lui qu'il a séduit la femme, qui elle-même a fait entraîner son mari. Du coup, il faut la repentance. Il faut la repentance. Nous devons tous nous repentir. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de péchés qui sont cachés là. Il y a des péchés cachés dans les cœurs. Il y a des adultères cachés. Il y a des impudicités cachées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mots accumulés qui sont là dans le secret. Parce qu'il y a des relations qui ont été brisées entre les anciens et la génération présente et la génération d'hier, etc. Entre les différentes. Frère, il y a tellement de choses. C'est ce qui fait que beaucoup cachent. Et frère, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Nous laissons la porte ouverte aux démons. Et nos assemblées sont prises en captivité par les démons. Je vous dis. Beaucoup, même parmi nous, là, qui nous disons conducteurs anciens, là, avons laissé la porte ouverte aux démons. Les esprits de mort sont rentrés dans les assemblées. À cause des conducteurs aussi. À cause des dirigeants. Vous pensez que ce n'est pas possible? Frère, la Bible dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Ils sont aussi comme des bergers, des surveillants. Et quand ils sont dispersés eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Il y a un problème. Il faut qu'on se répande. Il faut qu'on règle ces choses. Donc, tu ne peux pas prospérer dans l'esprit s'il y a le péché. S'il y a la rébellion, s'il n'y a pas la soumission, si tu négliges, l'église néglige ton aîné dans la foi, si tu négliges cette femme que Yahweh a mis à côté de toi, je ne t'envoie pas aller t'ouvrir à tout le monde et n'importe qui. Je ne t'envoie pas aller te déverser ici et là. Non, je dis juste de respecter les principes bibliques. Alléluia. Il faut la repentance. Et je ne vous cache pas, c'est le travail dans lequel je suis personnellement avec le Seigneur. Bien évidemment avec mon épouse. Il faut la repentance. Et du coup, des foyers vont mal.
Les maisons vont mal. Pourquoi? Parce que tous ces principes ne sont pas respectés. Les femmes là-bas, ça souffre. Tu vois, la sœur, avant de rentrer dans le foyer, elle était épanouie. Elle brillait. L'onction coulait. Quand tu vois les cheveux, tu sens qu'il y a l'huile. Mais quand tu vois aujourd'hui la sœur, frère, elle est sec. Non seulement les combats de la vie, c'est rude. C'est les jeûnes sur jeûnes multipliés, forcés. Soit disant, on est spirituel, on jeûne. Non! Il n'y a pas à manger, c'est compliqué. D'autres, les frères les ont isolés. D'autres, les sœurs, en captivité. Frère, il y a tellement de choses. Il faut la repentance. Et là, vous allez mettre au monde des enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer, vous allez cloner le même modèle, indépendamment de votre volonté. Parce que la semence, elle est d'abord spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi il est impératif, en tant qu'enfant du Seigneur, de voir la qualité de sa semence. De ne pas laisser la semence tomber le long du chemin. Alléluia. Comme dans Matthieu 13. Non. Assure-toi que la semence que le Seigneur t'a donnée tombe dans la bonne terre et non dans le long du chemin. Jean-Baptiste dira, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Pourquoi? Parce que avant que Yahweh vienne, il faut que le terrain soit balayé, nettoyé. Alléluia! Avant que Yahushua vienne prendre l'Ecclésia, il doit la sanctifier, il doit la purifier, il doit la nettoyer. Alléluia! Et ça passe par les épreuves, ça passe par les souffrances, ça passe par les combats, ça passe par tout type de pleurs, de douleurs. Tu traverseras des vallées. Il dit, il faut que les vallées soient comblées. Le mot vallée, ça veut dire aussi le fait de passer entre deux grandes montagnes tout en bas. Mais la Bible dit, il faut que les vallées soient comblées. Ça veut dire que sortir des vallées, c'est sortir de la profondeur de Satan. Il y a aussi des vallées, pas les vallées genre que le Seigneur t'a mis, non, des vallées du péché. Il y a des vallées de l'ombre de la mort dans lesquelles nous-mêmes nous sommes mis. Il faut que tous les chemins raboteux là soient déblayés. C'est-à-dire les cailloux là, il y a tellement de cailloux. Vous savez, les cailloux, ça empêche la semence de produire. Les cailloux là, il y a des cœurs là qui sont remplis de cailloux. Des cœurs, des vies qui sont remplies de ronces, des épines, des cailloux. C'est ça que le Seigneur attend de chacun de nous, de l'église, des couples, mariés comme fiancés. La repentance, la sanctification. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui les principes bibliques ne sont plus respectés. C'est dans tout, tout et n'importe quoi. Les chrétiens, 2h, 3h du matin avec le fiancé. Vous êtes maintenant comme des copains et des copines dans le monde. On ne comprend plus. On voit des photos de la nudité, l'impudicité. Mes frères, on règle des choses bizarres, compliquées, terribles. Des sœurs qui ont le Saint-Esprit. Ça prend le téléphone, ça filme sa poitrine, ça envoie aux frères. Impudicité. Tu dois te repentir. On est fatigué de voir ces choses. Il faut que l'ordre revienne dans la maison du Seigneur. Il faut que l'ordre revienne parmi les couples, dans les foyers comme les futurs couples. La sainteté dans vos rapports. La Bible dit à Timothée, Paul dit, parle aux jeunes sœurs, d'accord, en toute pureté. Frère, où est la pureté aujourd'hui? Où est la pureté? Ça tapote les fesses des sœurs, les parties, tout ça, n'importe comment. Frère, on voit des choses dans les réseaux sociaux, là, les chrétiens. Ça rigole à tout bout de champ. Ça s'attrape à les reins, ça se fait les sambas. Après, toutes les parties de la sœur, ça puise sur ta poitrine. Tu es content. Impudicité! Il n'y a pas ça dans notre royaume. Ça, c'est le péché. Oui, il n'y a pas le contrôle. On envoie, on nous contrôle, Nous sommes d'accord. En Afrique, il y a l'esprit de contrôle. D'accord? On est d'accord. La Bible nous enseigne la liberté. Oui, on est libre. Mais la Bible aussi dit, ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre dans le péché. Ça vient en assemblée, ça passe ton temps qu'à convoiter les frères. Tu es là, tu regardes, tu cherches quoi avec tes yeux? Ferme tes yeux et regarde le Seigneur. Convoitise passionné. Et tu te demandes pourquoi tu as les esprits des incubes, succubes qui te fatiguent la nuit.
beaucoup ici là sont fatigués par les esprits incubes et succubes. Pensez que c'est quoi? Pour la plupart là, c'est la convoitise passionnée. Pas seulement la convoitise. La convoitise passionnée. Ça veut dire prendre plaisir. Ils se réjouissent de regarder les fesses des sœurs. De regarder le derrière des frères. De dénuder les sœurs et les frères dans la pensée. Et vous vous demandez pourquoi les oiseaux du ciel vont vous embêter la nuit. Mais vous êtes souillés. Il faut la sanctification. D'autres vont même convoiter les femmes mariées des autres. Alors qu'ils sont eux-mêmes mariés. Impudicité. Il faut que la maison du Seigneur soit à nouveau nettoyée pour que le roi et la gloire, alléluia, alléluia, reviennent dans l'Ecclésia. Il faut la pureté dans le langage, en geste, en parole et en œuvre. Alléluia. Il faut la pureté, frère. Ces temps-là me manquent, frère. Où on avait cette pureté. Oui, on pouvait dire contrôle, contrôle. Mais la pureté, il régnait. Ah oui? Où est la pureté? Une génération qui ne pense qu'au sexe. Parce qu'elle est tout le temps, matin, midi et soir, influencée par les séries télévisées. Mais comment la sirène des eaux, hein, la Lilith, ne va pas vous visiter la nuit? Comment les démons de sorcellerie ne vous emmènera pas, hein, dans le monde mystique? Beaucoup la mangent, hein, sur les tables mystiques la nuit ici là. Beaucoup là, parce qu'ils sont dans le péché. Il y a des portes, trop de portes ouvertes. Trop de portes ouvertes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combats. Il y a aussi des combats. Mais il y en a qui ont les portes ouvertes trop. Tu penses qu'il faut forcément tomber dans l'adultère? Du coup, le mépris est là, ça règne. Le péché est là, ça... Frère, le Seigneur n'est pas content. Il n'est pas content de ça. On voit les bagues. C'est bien beau, les bagues. Et moi, mon souhait, c'est que les frères et sœurs se marient. Alléluia. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais il faut l'ordre. Il faut l'ordre. Il faut la pureté. Il faut la sainteté. Si la sœur te plaît, va demander directement la main. Tu pries, tu es convaincu que tu vas. Ne fais pas les choses bizarres, floues, du serpent. Non. Et vice versa. Ça demande ici, ça casse. Ça demande là-bas, ça casse. Ça demande à droite, ça casse. En moins de 2 mois, tu as déjà 3 sœurs sur la liste. Frère, convoitise, passionné. La Bible dit le cœur. Un cœur. La Bible dit que le cœur doit être guéri. Il y a un passage qui dit qu'un cœur qui n'est pas guéri est comme un arbre qui produit de mauvais fruits. Donc il y a un temps où le Seigneur guérit. Tu sors à peine d'une rupture. Tu dis que tu aimais la sœur là. Même pas 2 mois. Tu as déjà battu chez une autre sœur. Frère, tu as quel genre de cœur? Arrête ça. Réponds-toi. C'est trop facile, frère. Et nous, là, les anciens, les machins, tout ça, là, on est là, on cautionne ça, on embrasse, on va entretenir, on va faire le suivi. Quel suivi? On ne vous suit pas. Vous allez marcher seul si vous voulez. Moi, je marche avec le Seigneur. Chacun suit le Seigneur. D'ailleurs, alléluia. Et puis, il n'y a pas de verset qui parle du suivi. Il faut qu'on revienne dans la sainteté. Alléluia! Alléluia! Il faut que ta vision aujourd'hui là soit le royaume. Le royaume! C'est pas d'abord la terre, parce que le mariage, c'est pour la terre. Hein? L'affaire du mariage homme-femme, c'est pour la terre. Même si prophétiquement ça annonce quelque chose qui arrive, et on va le voir demain, après-demain. Mais c'est pour la terre. Alléluia! Au ciel, ce ne sera plus ta femme. Tu auras oublié tout ça là. Ton esprit sera totalement renouvelé. C'est fini. Ce sera ta sœur. On sera comme des anges. Alléluia! Je sens que... Merci Seigneur. Il faut la repentance. Il faut la repentance. Du coup, on prie, on reprie pour les mêmes gens, les mêmes personnes tout le temps, parce qu'il y a des portes ouvertes. Il y a tellement la convoitise qu'on ne voit plus les intérêts du Seigneur dans le mariage. On voit nos propres intérêts. On cherche la plus belle sœur. Ce n'est pas un péché, frère. Mais si Yahweh t'a dit que c'est elle, prends-la pour épouse.
Si Yahweh a mis un amour dans ton cœur pour lui, mais prends-lui pour époux. On est maintenant limité dans la carcasse. Tout ce qui est visuel. On calcule les intérêts. Il faut que la sœur là, il me faut une sœur qui travaille. Ah bon? Convoitise. Intérêt. Il me faut une sœur qui est déjà positionnée. Vous voyez non? La cupidité dans les rapports. Ça là, dans la maison du Seigneur, ça doit sortir au nom de Yeshua. On ne choisit pas une femme parce qu'elle travaille. Ou parce qu'elle a une bonne position sociale. Ou parce qu'elle a un nom qui est connu dans la nation. Non! Parce que ton cœur bat à la chamaille pour la sœur. Alléluia. Parce que ton cœur, tes pulsions. Alléluia. Parce que les battements de ton cœur battent. Alléluia. C'est là, c'est là, c'est là. Ça, c'est un des signes clairs. Un autre signe. Le Seigneur confirme. Alléluia. Après, il y a les hommes qui peuvent confirmer. Et on est fatigué de ces choses. Je vous assure, ça fait partie des mots qui embêtent, qui fatiguent l'église. Oh roi! Répentez-vous! 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 Seigneur, je commence moi-même à me repentir. Je commence moi-même à me repentir. Sortez du péché! Sortez du péché! Moi-même, Seigneur, moi-même. Je commence moi-même à te demander pardon. Moi-même. Tu donnes de la semence au semeur. C'est pour moi d'abord. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour l'église entière, la maison d'Elohim, la colonne et l'appui de la vérité, la maison située sur une montagne. Nous te demandons pardon pour cette assemblée, pour toutes les impuretés, les insanités qui se sont commises dans le secret, tellement de saleté que ton cri est parvenu, Seigneur, dans les nations. Seigneur, nous te demandons pardon. Des hommes et des femmes, Seigneur, que tu faisais confiance, qui ont bafoué ta parole. Nous te demandons pardon. Notre désir ardent, c'est que l'église soit restaurée. C'est que ma vie soit restaurée. C'est que mes frères soient restaurés. Nous voulons voir des foyers unis à nouveau. Des couples sanctifiés à nouveau. Nous voulons voir des hommes et des femmes qui ne courent pas après le mariage, mais qui courent après toi. Qui s'attendent à toi en toutes choses. Qui, malgré le temps qui passe, ils savent que tu leur as fait des promesses et que tu finiras par l'accomplir. Nous voulons voir des hommes et des femmes, Seigneur, qui te craignent réellement, qui cherchent ce premier amour que tu avais mis dans leur cœur quand tu leur as appelé, Seigneur. Tu as dit c'est pour tes suivre. Tu as dit c'est pour tes suivre, Seigneur. Tu as dit c'est pour tes suivre, Seigneur, que tu nous as appelés. Tu as dit c'est pour tes suivre, Seigneur, que tu nous as appelés.